Bon Patrice, victoire aujourd'hui, petite victoire mais victoire, je crois qu'il faudra retenir ça aujourd'hui, c'est important, ça a été compliqué, très compliqué, mais je pense que ce qui est bien c'est les 4 points qui sont pris ce soir. Ouais, c'est tout à fait ça, t'as bien résumé effectivement, ça a été dans la douleur, jusqu'à 10 minutes de la fin, on est contrarié par cette équipe d'Aigleton qui a rien lâché, qui a joué avec ses valeurs et qui nous a mis en difficulté. Au final, les garçons vont chercher la victoire, c'était l'objectif du jour. La saison est lancée, mais c'est vrai qu'on a quand même... Il y a du pain sur la planche, hein, du travail, et il va falloir se retrousser les manches et être un peu plus discipliné pour pouvoir envisager quelque chose de mieux. Ouais, on l'a vu, donc là il y a week-end de repos, oui. Et ensuite on va à Verneuil, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là et maintenant, il y a 15 jours, effectivement, on a vu que ben, voilà, l'équipe avait besoin encore de prendre des repères et de prendre l'habitude de jouer ensemble. Mais bon, cette victoire fait du bien quand même, parce qu'aujourd'hui on en avait besoin. Ah oui, tout à fait, on se rend compte effectivement. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, à la décharge du groupe, il y a deux joueurs importants quand même. Il y a Tom et Martin qui sont là, les deux centres. Voilà, les autres ont fait le taf, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est en fait un peu une remise en place du système. Ça n'a pas été si évident que ça aujourd'hui. Mais bon, au final, le groupe a fait le travail, a fait le job et on se rappellera de cette victoire qui, comme je te dis tout à l'heure, nous lance vraiment dans la saison, ça y est. Donc maintenant, 15 bonnes journées de préparation pour aller à Verneuil. Eh ben, tout à fait, c'est ça. Maintenant, 15 jours de travail pour préparer au mieux ce déplacement. Ok, merci Patrice. Avec plaisir.